et donc participer à CLISE, classe inversée la semaine, donc du 25 au 29 janvier 2016. Je me suis inscrit sur une map à l'événement pour accueillir des collègues dans ma classe. Ils ont vu des élèves organisés par groupe en îlots, des îlots qui sont propices au travail en groupe pour une reprise réflexive du cours, pour élaborer de manière collaborative des cartes mentales, pour s'approprier les notions du cours qui ont été vues en amont, et aussi travailler ensemble sur l'explication de différents concepts par le biais aussi d'une rédaction commune, mais aussi faire aussi des exercices classiques. Donc tout ça est fait à des vitesses différentes. L'enseignant que je suis circule pour aller dénouer les problèmes, mais c'est eux qui sont acteurs. Alors comment on fait ? Il faut évidemment un travail en amont des étudiants. Ils doivent travailler le cours avant ce travail en classe qui fait suite à un travail sur des capsules. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'utilise donc le numérique et en particulier la plateforme Moodle. En amont, les élèves vont donc sur un cours Moodle dédié, un cours de biochimie. Il s'agit des cours sur les deux années. J'avais commencé avec le métabolisme. Mais bon, là, je ne le montre pas. J'ai continué avec les glucides, avec une capsule vidéo. Enfin, deux capsules vidéo embarquées via une playlist d'une chaîne YouTube. Donc là, j'ai pas mis le son, mais il s'agit en fait d'un cours commenté avec un polycopié en dessous un document à compléter. Donc les étudiants peuvent travailler à leur vitesse, s'arrêter, revenir, compléter un document, réfléchir sur des graphiques ou réfléchir à faire une carte mentale sur le cours, car ça c'est ce que j'aurais proposé de faire. Bon, je ne vous montre pas l'ensemble des documents, mais l'objectif était donc de réaliser des cartes mentales avec un atelier sous Moodle. Avec l'outil Mindomo qu'ils connaissent assez bien maintenant. Là, on l'avait fait avec le métabolisme. Donc là, dans la base de données, j'ai mis l'ensemble des cartes mentales qu'ils ont pu effectuer. Donc la base de données permet d'aller chercher, par exemple ici, les cartes mentales relatives aux glucides. Donc là, j'ai 24 élèves, donc 6 cartes, car 6 fois 4, 6 groupes de 4. Donc voilà une carte, par exemple, élaborée en séance, ils seront amenés à la faire en numérique avec par exemple l'outil Mindomo. Mindomo qui me permet d'avoir l'ensemble de leurs cartes qui sont partagées sur mon compte Mindomo. Voilà des exercices classiques, des révisions aussi de première année. Voilà un peu les ressources. En plus, voilà, j'ai mis aussi les liens Drive s'il y avait des problèmes parfois sur certains horaires où les. Ceux qui travaillent au lycée, il y a des restrictions YouTube, donc l'expérience à CLISE, classe inversée la semaine, donc du 25 au 29 janvier 2016.